Bon, c'est le départ de New York. On dit au revoir à Emma et à Milena. Bye bye. Bye bye. On est trop bon voyage. À bientôt. Allez, on vous fait des bisous. Direction Alex. Philadelphie. Ah oh, la motivation. On est bien arrivé à Philadelphie. Il est midi et demi. Donc petit repas avant de commencer les visites. Bonjour à tous, alors nous sommes bien arrivés à Philadelphie, il fait beau et on peut dire qu'il fait chaud, enfin il doit faire moins 1, moins 2, ce qui est très chaud pour nous en fait. Au final là, j'ai toujours mon manteau parce que bon, ça reste la température négative, mais franchement ça va. Pour l'instant on a juste déposé nos valises dans notre Airbnb. Et là, on est parti à la découverte de la ville. Et pour l'instant, on est enchanté par la ville. Ça a l'air très très mignon. Donc, on vous emmène avec nous et j'espère que ça va vous plaire. Oui, c'est ça. Les gars, ils sont en train de faire le truc. Regarde, ils font la photo en haut, les bras levés. Et c'est les marches du Rocky. Il est là, Rocky, il est là. Bon, Alex, il a craqué. Petite crêpe. C'est quoi, cheesecake et fruits rouges? Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que c'est comme la crêpe française? Ouais.
Très très bon. Ça va bon. Je ne pouvais pas aller à Philadelphia et ne pas manger du Philadelphia. Mais pour le petit repas de ce soir. Bon les gars, on se retrouve pour une nouvelle journée à Philadelphie, mais là, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts pour cette neige. Voilà. Voilà. On est devant le Independence Hall, on est censé le visiter, je sais même pas si on va pouvoir. C'est impressionnant en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais déjà, notre Uber, il a mis 40 minutes à nous déposer. Il est mis en 4x4 et tout, parce que c'est pas possible. Mais bon, ça, il fait pas super froid, c'est juste, bah, on avait prévu des trucs à faire dehors et tout, et je sais pas si ça va être possible, quoi. Donc, on vous tient au courant. Du coup, on est dans un petit café dans Philadelphie, super sympa. C'est comme si on était chez nous. Enfin, regardez la tasse d'Alex, quoi. C'est énorme. Ouais, il y a des tasses différentes partout. C'est assez très convivial. On va prendre un petit brunch. Ça a l'air bien sympathique. Mon petit update sur ce brunch, c'est trop la vie. On a pris des petits bagels, Alex, tomate, avocat et moi cream cheese. Des petits œufs pochés avec, sur un muffin. Bacon, avocat, tomate, oignon, pommes de terre. À peu près la même chose, Alex. Avocat et tomate en plus. Ouais. Et c'est trop trop bon. Bon les gars, on est en train d'affronter une tempête de neige. Évidemment, je n'ai pas de bonnet. Mes cheveux sont en train de geler. Nous sommes à la recherche d'un bureau de poste. Et après, nous allons aller au pénitentiaire. Parce que Alice et Alex, passion prison, voilà. On a décidé d'aller visiter le pénitentiaire. J'espère qu'il va être ouvert. Mais bon. Et après, on espère surtout que notre bus va être là ce soir pour partir. On part ce soir. Voilà. Bon, on vous retrouve après un long moment d'absence. On s'excuse. En fait, avec la tempête de neige et tout, ça a été vraiment très compliqué. Je pouvais pas trop filmer. On n'a pas pu faire trop les activités qu'on voulait. Le Magic Garden, on est passé devant. Le pénitentiaire, on n'a pas pu y aller, c'était fermé, comme tout, en gros tous les bâtiments publics et tous les musées étaient fermés aujourd'hui à cause de la neige. Mais du coup, bah, on est quand même passé devant et on est allé se balader encore dans le downtown comme hier. Avant de rentrer, on est resté au Airbnb et puis là on vient d'arriver à Washington DC. On est dans un petit Airbnb, très sympathique. L'hôte est très gentil et on est bien au chaud là, ça fait plaisir. On savait même pas si notre bus allait arriver et tout, mais... ça c'est fait. Et bah du coup on finit le vlog maintenant parce que demain on vloguera pour le vlog de Washington. Donc je vous fais plein de bisous et puis je vous dis au prochain vlog. C'est trop beau. On est trop bien, on est posé là. J'arrive pas à me connecter. Je sais même pas si on rencontre quelque chose avec le vent. Nous sommes à la recherche d'un bureau de poste. Ah non, je sais pas. Et le pénitentiaire, on n'a pas pu le faire, mais on l'a vu après. Pénitentiaire, c'est bon, je l'ai dit, hein. J'ai dit pénitentiaire.
Non, j'ai dit pénitentiaire. J'ai dit pénitentiaire, j'étais en train de... Bref. Attends. Alex, on ne doit pas tuer éblouissant.